Hier après-midi, Noël, information arrivée joindre nous, gagne un individu qui a arrêté la République dominicaine, son ancien policier qui a participé, qui a joué un rôle dans l'assassinat président Jovenel Moïse 8 mois de cela. Ça qui est intéressant dans l'émission nous aujourd'hui, c'est que finalement monsieur Damio yo conclu sur une raison. Là, on a parlé de Clamatelian, Jovenel Lissio, qui est précisément en tête Laurent Lamotte. Ils ont finalement conclu à une raison qui crée explosion ça, d'où l'assassinat de Jovenel Moïse. Et nous allons comprendre, à travers toute démarche qui gagne là 8 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, au niveau national, sous scène politique là, il y a un paquet d'acteurs, sous scène politique là, il y a une division. Et façon Jovenel Moïse mourir, j'en ai assassiné Jovenel Moïse, li reflète haine, li reflète mépris, et li reflète division qui gagne dans la classe politique là. Rete là, on va joindre toute information yo, et même bagay ou pas ta même pensée, bagay ou pas ta même imaginer qui gagne entre clan, la mot clan, clan Jovenel Lissio avec clan Martelia, eh bien, on pral compte tout. Dans un petit moment. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ou sur Tax 509 tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon éditorial. N'a pas avancé là, n'a pas avancé 8 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, on va comprendre qu'il y a un paquet d'indices. Il n'y a pas besoin de nous voir arrestation, non, qui pour une bonne indice ça. Sous même scène politique là, il y a quelques révélations, il y a quelques comportements acteurs qui ont gagné. Déjà, faut qu'on découvre partition, il faut qu'on découvre responsabilité, il faut qu'on découvre rôle qu'on joue dans cette crise là. Mes vidéos, partagez vidéo, si vous pouvez abonner à la chaîne, faites tomber sur la chaîne, rapide, vite, courir, abonner, toujours songer à activer la cloche de notification et comme ça, vous pouvez être connecté avec nous, vous pouvez joindre toutes les dernières vidéos que nous avons gagnées pour nous poster. On m'a rappelé une autre fois encore, des micro-présentations, c'est toujours même Yannick, la même voix, on n'y est pas changé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2 h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Deux camps, deux clans qui en face. Les jovenelistes, ça c'est allié Jovenel, les pro-Jovenel, je dis en là, comme Jovenel parle encore, c'est tout le monde qui réunit, qui regroupe pour exiger, pour chercher, pour demander justice pour Jovenel Moïse. Et on l'autre bon, nous gagnons les pro-Martelly, les Martelly, ça nous relève les Martellistes. Yo même je dis en là, c'est bandits légaux, c'est Mounzayo qui campé à défendre Martelly, qui campé à défendre PHTK, tête calée. Nous pas oublier, 8 mois de cela, assassinat Jovenel Moïse, li ba nous occasion jodi an là pour nous remettre en question comportement au paquet acteurs politiques, comportement au paquet nèg allié pouvoir. Jodi an là, l'a parler de allié pouvoir, ouais tout nèg sa yo qui a défendre Ariel Henry, qui dit Ariel Henry dit précisément le clan Martelly. Donc ou pral remettre en question comportement nèg yo après assassinat Jovenel Moïse et bien avant assassinat Jovenel Moïse suite avec un ensemble de décisions que Jovenel te prend. Laurent Salvador Lamotte, c'est sûr que non ça lui évoquer un paquet de souvenirs. Laurent Lamotte, c'est ancien premier ministre sous Martelly, également ancien ministre sous gouvernement Martelly. Relation Martelly Lamotte, c'est une relation qui pas seulement dans le cadre politique. Nèg yo te gen relation zanmitay et bien avant que Martelly te président, Laurent Lamotte avel c'était relation patron yo te gen boss patron et qui est dans yo deux qui te boss, qui est dans yo deux qui te patron, bien entendu, c'était Laurent Lamotte. Ça sou pas connaît aujourd'hui tout son gil. Avant même que Martelly te rentré dans politique, t'as fait campagne. Laurent Lamotte investi un paquet d'argent dans campagne Martelly. Laurent Lamotte investi pour mettre Martelly sous pouvoir et comme c'est 2 amis, 2 partenaires et jodi en là finalement ils ont fini de compéter tout dans question politique là. Président, premier ministre. Mais c'est pourquoi j'aime causer en ça, c'est pourquoi j'aime parole en ça. Nous trouvons nous en situation côté que 3 ans de cela 3 ans de cela, il y a une rumeur qui a circulé comme quoi président Jovenel Moïse a fait choix de Laurent Lamotte comme candidat pouvoir. Ça nous relève pro-pouvoir. Pro-gouvernement, pro-présidence, c'était Laurent Lamotte. C'était candidat favori. Le Jovenel Moïse, t'es lui-même, jeté des volules, t'es choisi Laurent Lamotte pour le courir, t'es choisi Laurent Lamotte pour le marcher avec elle. Moi, je ne vais pas oublier ça. C'est ton calotte marassa que groupe Martelien te prend. C'est ton calotte marassa Martelien te prend parce que nous pas oublier relations amicales, relations politiques Martelien Laurent Lamotte, li vini avec dossier préto-caribéen parce que le Martelien déresponsabilisé complètement comme monde qui pas rien pour avec dilapidation et 4,3 milliards préto-caribéen. C'est Laurent Lamotte qui était premier ministre et c'est Laurent Lamotte qui était ministre, c'est Laurent Lamotte qui était chef de gouvernement. Ça son coup dans dol te bay Laurent Lamotte. Mais effectivement, l'on de Martelly, il n'est pas ordonnateur il pas comptable de deniers publics, il n'est pas ordonnateur des finances, donc on pas qu'à venir poser la question sur la dilapidation l'argent, on pas qu'à venir poser le compte sur l'argent. Donc yo connaît comment yo t'a fait manœuvre, yo connaît comment yo t'a utilisé et atout yo gagne dans politique là pour yo gaspiller l'argent, pour yo voler l'argent, pour yo détourner l'argent développement pays. Mais nous trouvons nous en situation côté que en tant que premier ministre, Laurent Lamotte était un ensemble de responsabilités. En tant que premier ministre, Laurent Lamotte était gagné statut de comptable public. Parce que les contrats, leurs projets, c'est lui-même qui peut décaisser, c'est lui-même qui peut bailler avaler, c'est lui-même qui peut signer, etc. Donc, l'argent pour dépenser, Laurent Lamotte, que l'on veut ou non, la connaît. Donc, pendant tout petit temps, Laurent Lamotte li fait comme premier ministre, li fait comme ministre et sous présidence Martelly déresponsabilisé net. Même l'entendait et te gagné petit Martelly qui était responsable, qui était coordonnateur projet 25 SAD, même Olivier Martelly, on dirait que papa a tendance déresponsabiliser pour mettre tout bagaille sous Laurent Lamotte qui t'a géré, sous Laurent Lamotte qui t'a pris des initiatives. Donc, toute responsabilité, ça, c'est sous dos de tomber. Mais ça, pourquoi fini? Ça, pourquoi? Ça, c'est petit goût de l'eau qui peut faire vase l'en couler. Parce que nous connaissons, en matière politique, nous gagnons différents atouts. En matière politique, nous gagnons différents L4 qui ont joué pour joindre exactement ce que chercher. Le nous venons avec le dossier Petro-Caribé, rapport sorti, manifestation faite, qui a demandé compte comme Petro-Caribé, Martelly à l'aise et confortable. Point de presse bail, conférence de presse bail, il a posé Martelly question, Martelly dit carrément, il même pas connaît, il y a des gens qui sont responsables. Et directement, l'on demande des gens qui sont responsables, vous voyez, et tout naturellement, allemand des premiers ministres, allemand des ministres. Donc, là, Laurent Lamotte est sorti quelque part, faut qu'il sorte en bas griffe n'exagère parce que à tous les coups il a trahi, à tous les coups finalement s'il pas cherche une façon pour le sortir en bas, il a la cause que il prend code. Même là nous connaissons en Haïti comment tout bagaille. Nous connaissons c'est nèg qui gagne l'argent, c'est nèg qui gagne influence, qui contrôle le pouvoir judiciaire là, mais imaginez nous quelques secondes si nous sommes dans un pays côté que la justice t'a triomphé, côté que CSCC a t'a connaît responsabilité, le faut l'enquêter, etc. Là, pas de monde qui t'a qu'à déresponsabiliser, pas de monde qui t'a qu'à retirer responsabilité par le sous-dos, le mettre sous dos l'autre. Vous comprenez, je dis en la que le Olivier Martelly, que le Laurent Lamotte, que le différents ministres qui te gagné l'argent projet dans mais tout le monde ça t'a gagné question pour répondre devant la justice ou bien devant cour administratif là. Ça pourquoi on y est toujours. C'est venu n'a venu. Nous connaît par rapport avec choix que Jovenel Moïse te fait de Laurent Lamotte pour le faire tourner pour le pouvoir, pour marcher avec, pour le comprendre, pour le garder dans qui mesure possible Laurent Lamotte te ka vin camper en face clan Martelly. Parce que qui dit Lamotte ou choisit Lamotte pour marcher avec, ou choisir Lamotte pour faire campagne avec, ou choisir Lamotte comme éventuel président de la République, comme éventuel candidat à la présidence. Non seulement que Martelly n'a pas jamais accepté, parce que Jovenel Moïse c'était pour l'imphd calté, Jovenel Moïse et c'était comme c'est PHTK tap téléguidel, c'est PHTK qui mettait sous pouvoir. Donc, tu comprends que non seulement yo te ka minimiser risque que Jovenel Moïse change fusil d'épaule, que Jovenel Moïse change quartier, change zone, yo pas jamais attendu à ça, mais tout, yo pas jamais pensé que dévolu Jovenel Moïse t'a pral tomber sous Laurent Lamotte qui c'est ennemi numéro 1 clan Martelly. Pour qu'on regarde là dans l'écran, on va regarder yon arrêté qui te prend en conseil des ministres. Je l'ai regardé là, nous et on tweet Renald Luberus, ouais réuni à l'extraordinaire ce dimanche 4 juillet 2021, le Conseil des ministres a décidé d'accorder pleine et entière décharge aux ex-PM et ex-ministres ayant servi la République du 7 février 1991 au 7 février 2017 et ayant un rapport d'audit favorable de la Cour des comptes. Qui ça veut dire? Qui ça veut dire? 4 juillet ça. Moi, j'ai l'impression, Martelly, c'est jour le pape jamblier dans l'histoire politique. C'est jour le pape jamblier dans le calcul la fait choix moun qui t'a supposé parrainer en termes de politique, en termes de choix de candidat. Parce que pour Clan Martelly, ces derniers gouttes de l'eau, Jovenel Moïse te ka vidé dans verre, qui pral fait verre chavirer. Parce que qui s'acrivait là? L'enjoint, ancien président comme Martelly, qui retire toute responsabilité, toute gargote qui fait sous gouvernance, toute gargote qui fait pendant que était président, 4 combien milliards qui gaspillé, des séries de projets, on prend projet et viaduc, Kafou, on prend et soi-disant autant les Kafou aéroport, on prend plusieurs projets, lycées, stades, 25 stades, ou pas jamais moyo. On paquet l'argent qui débloqué alors que projet ou pas jamais vraiment et atterri. Ça ou ba ou li pas équilibré avec quantité l'argent qui dépensé pour projet ou Laurent Lamotte gen projet lampadaire etc. On paquet l'argent gaspillé. Mais n'a vinn sous ça tout à l'heure. Le arrêté ça prend conseil des ministres côté que Jovenel Moïse décidé pour le bail tout nèg sa yo décharge de 91 à 2017 député gen nan mon on rapport audit favorable que CSCC a te baou. Donc Jovenel Moïse Klinou que ou te participé dans dilapidation que non te sorti dans même rapport CSCC a comme moun qui te gen l'argent que te mal dépensé. Une fois que ou te gon rapport qui te dit bon et pour telle année ou te font bonne gestion, c'est fini Jovenel Moïse Klinou le bon des choses. Et des choses que Laurent Lamotte bénéficier de Jovenel Moïse. Premier bagay, li représente pour Clan Martelly son affront. Parce que yo bay décharge 4 juillet et 6 juillet, ou ka gade là encore, ou ka gade là, 6 juillet, qui décision qui prend? Gon décision, côté que même CEP ça li prend, comme quoi, n'a gade là, enregistrement et confirmation des partis et groupements politiques du 6 au 12 juillet 2021. Laurent Lamotte, pour yon Laurent Lamotte décharge, yon obligé remonter pour éviter trop palampil, pour éviter trop suspicion, etc. Yon remonter de 91, avait dit que yon te lavalas, que yon te sous-préval, que yon te transition, député bon rapport favorable à CCC à Namon, yon bon décharge. Alors que principal bénéficiaire là, c'était Laurent Lamotte. Kounya, on vient joindre. Ou bien joindre même conseil électoral ça que Jovenel Moïse te mette campé qui lance inscription parti politique alors que même le groupe Martelly yo connaît pertinemment bien et Jovenel Moïse pas jamais ka fait choix Laurent Lamotte pour aller sous PHTK parce que Liné Baldassar pas jamais permettre un bagage en fréquence était fait comme ça pour t'a choisi Laurent Lamotte sous bannière PHTK jamais. Mais Jovenel Moïse, il te gen l'autre atout, que ce soit et former un parti politique, que ce soit lié là avec l'autre monde, l'autre allié qui gen parti politique et si Laurent Lamotte a toujours voulu rester comme candidat à pouvoir, il t'a toujours qu'à faire. Donc, et ça qu'il faut pral ouais. Assassinat Jovenel Moïse, il pas jamais qu'à inscrire non l'autre période, non l'autre moment que période d'échange jusqu'à ce que inscription parti politique finisse. Pour qui ça? Parce que premièrement, Soumettez division ça dans mi-temps clan Martelly. Dès le départ, Jovenel Moïse a créé paquet de paroles en pile dans mi-temps clan Martelly, mais Martelly par rapport avec, on toujours dit ça, on a parlé de clan Martelly, toujours on cause loyauté pour nous toujours tenir compte de lui. Comme c'est Martelly qui est venu avec Jovenel, malgré les discordes, malgré les animosités dans mi-temps monsieur gen chivé pit, mais quelque part Martelly toujours essaie kembe Jovenel là, il toujours essaie protéger Jovenel, malgré nous au final ça pas abouti à quoi que ce soit de positif ou Jovenel Moïse. Ça nous clair sur lui. Mais ou regarder quelque part, ou regarder des choses qui représentent une trahison pour clan PHTK, qui représentent une trahison pour clan bandi légal là, faut que l'État puni. Et avec Nexaro, pas grand yon fait qui pral rete impuni. Nous comprenons? Donc, Jovenel Moïse, yon choisi un délai spécifique au niveau même du cercle politique, au niveau national, yon choisi un période fatidique, yo choisi une période incontournable. N'a songé 6-7 juillet 2018, premier vague pays loc là qui ça a été représenté pour Jovenel, côté que Jovenel était presque perdu pouvoir, côté que Jovenel était affaibli considérablement. Ou pral ouais 6-7 juillet 2018, ou pral ouais un an après, yo essayé ba Jovenel Moïse on l'autre version pays loc qui pas marché. Ou pral ouais en 2020 Jovenel Moïse essaye pour l'autre version pays loc qui pas vraiment poté fumé. Ça pas empêché que pendant toute période ça opposition qu'a frappé Jovenel Moïse tof jusqu'à ce que 6-7 février arrivé là, 7 février abouti. 7 février, on coup d'état raté. Et puis, on pral bali 7 juillet, on coup d'état consommé. On coup d'état consommé, qui aboutit à deux bagailles, ou jouen clan Martelly, finalement, yon mettez propre premier ministre au pouvoir, l'option premier ministre li atterri, et ou pral joindre jodi an là et le clan à Jovenel Moïse. Bon, Jovenel Moïse n'est plus, mais ou gagne principal bénéficiaire avantage que Jovenel Moïse tape bay clan, dernier avantage que Jovenel Moïse bay nèg de c'est déchargeant, et finalement Jovenel Moïse s'en alla comme si de rien n'était, il est mort. Il est mort. Et c'est ça que faut pral gen des séries de médias, gen des séries de journalistes qui ouais non Jovenel Moïse le président martyr. Pour qui ça ouais non Jovenel Moïse on président martyr? Parce que Jovenel Moïse font paquet de sacrifices pour un groupe nèg avant que yo assassinel, et finalement Jovenel Moïse lui-même li mouri pour col, li mouri seul, li mouri abandonné, alors que tout nèg ça li t'a bay avantage, tout nèg ça qui t'a bénéficié avantage non mais yo sorti vainqueur, yo sorti gagnant. Et pour me remonter, pour me retourner dans Laurent Lamotte, nous prenons la division Laurent Lamotte Martelly, li aboutit par rapport avec relation qui te gagné entre Kiko Saint-Rémy, bon frère Martelly, madame Martelly Sophia Saint-Rémy, et finalement Laurent Lamotte qui n'a mis temps de la once. Ou bien Martelly lui-même, bon. Martelly, franchement, des fois, des présidents, ça. J'en ou un musicien, président, il n'est pas différent de musicien. Pas différent de musicien, quoi que ce soit, son monde vague, son monde, et façon de gérer musique, là, c'est qu'on s'altape gérer pays, laisser aller absolu. Ou vin gagner, on cause redevance qui sous table. Nous gagnons en novembre 2014, bah, j'en oublie ça. Première fois me saisi, première fois me choqué dans le clan Martelly. Ça, c'est là qui Saint-Rémy te décidé, li dou, li exiger démission Lamotte. Novembre 2014, qui comprend la rue, manifestation dans des Laurent Lamotte, faut que Laurent Lamotte allait, faut que Laurent Lamotte allait, faut que Laurent Lamotte, la c'est bot li baïtea. Rachement yok li baïtea. Un mois après, Laurent Lamotte en décembre 2014, il pral remettre démission. Martelly accepté démission Lamotte là. Mais, tout le, nous tendez, qui a demandé démission Laurent Lamotte là, li mandé démission, l'exige démission Laurent Lamotte, parce que premièrement, te gagné un conflit de toujours même problème côté que li besoin de contrat exclusif importation pour causer Zanguili. Problème Zanguili c'était une, mais plus gros problème qui te gagné, parce que dans quelques jours, en novembre 2014, dans quelques jours après, c'est après les auditions, parce que l'été témoin et de dossier gang, de dossier kidnapping qui était impliqué Clifford Broth à l'époque. Donc, Kiko Saint-Rémy, c'est ton témoin côté que l'État pral paraître et devant cabinet d'instruction pour auditionner, pour connaître qui ça le connaît de Clifford Brandt, de Baz Galil, etc. Mais, étant donné relation Kiko avec Laurent Lamotte, t'es déjà pas de bon. Et ni relation Laurent Lamotte avec Sophia, pas de bon tout. Parce que Sophia lui-même, il était un ensemble de reproches qu'il fait avec Laurent Lamotte, on pral connaît tout à l'heure. Mais Kiko lui-même, qui ça crive? Non seulement problème Zanguillon, mais Kiko, qui ça? Nous connaissons son la familia, dans le dossier son la familia. Qui sort ou connaît? On vous dit, en 2014, novembre 2014, Pierre Espérant fait un DDH, il sortit en note pour le faire comprendre, que pour le faire connaître. Leur parler de Kiko Saint-Rémy, Kiko Saint-Rémy, c'est lui-même qui symbolisait secteur mafia en dedans pays. Ça, Pierre Espérance, c'était clair, noir sous blanc, il fait déclaration. Et c'est pas si accusation, ce n'est pas une mince affaire. On a parlé de secteur mafia en dedans pays, on a parlé de trafic de drogue, on a parlé de kidnapping, on a parlé de narcotrafiquants. Tout ça, malio, toutes les fractions, bagaille criminelle, c'est ça qui représentait la mafia. Nous trouvons dans une situation quand que l'on parle de son la familia ou de l'ETA, on parle de Clifford Brandt, nous est son secteur criminel, nous est son secteur mafia, alors que dans mi-temps de l'examen, ils ont impliqué Kiko Saint-Rémy. Quand nous trouvons dans une situation quand que le Clifford Brandt li bail on liste non est qui fait partie de Baz Galil, en base gang, en base criminelle en dedans pays. Clifford Brandt, lui-même, lui fait comprendre, lui fait connaître à l'époque que était numéro 5 Baz Galil. Et dans même Baz Galil, il te fait quoi que Kiko Saint-Rémy, c'était numéro 2, avec tout un certain de Stanley Andal, qui lui-même, et pas Samir Andal, non mes amis, on Stanley Andal, qui numéro 2 tout dans Baz Galil. Donc, je dis en là, par rapport avec information ça yo, par rapport avec découverte ça yo, nous venons trouver nous en situation côté que, indépendamment, secteur politique nègre, clan politique nègre, statut politique nègre, statut économique nègre de notre pays, yo tout yo gen secteur criminel yo, yo tout yo gen appartenance avec un secteur mafia en Haïti. Donc c'est au même de mettre coq pour veiller quoi. Kounye, étant donné que, déjà, qui côté qui a un problème de contrat, un problème de contrat exclusif pour importer Zangui aller aux États-Unis à le vendre, il a un conflit avec Laurent Lamotte, donc il est obligé de demander démission Lamotte. Vin mettez sous ça. Sous déjà une mauvaise relation avec Neglan, ou qu'on est Neglan c'est premier ministre, ou qu'on est à l'époque 2014, ou qu'on est qui influence exécutif là te gagne ni sous législatif là ni sous judiciaire là donc qui compte à battre pour Lamotte geta aller pour le aller devant juge d'instruction pour Lamotte pas ta jouer influence pour tout faire Kimbil. Est-ce que nous comprenons li gen problème personnel li choisi gérer problème personnel là là on va le comprendre c'est côte cop bezo caribe nèg la mandé vrai. L'on pral comprendre, c'est des accords qui gagnent pour mauvaise gestion, vrai. C'est pas de jambes ça. C'est pas de jambes ça. Et, où vil joindre par rapport avec problème que Sophia Martelly, lui-même, li gagne avec Laurent Lamotte. Parce que qui s'acrive? Sophia lui-même, li pas confortable du tout avec Laurent Lamotte. Pour qui raison? Parce que, le, son j'aime dit nous, dans le commencement de l'émission, dis-nous déjà, Laurent Lamotte, c'était boss. Martelly, c'était boss Sophia, c'était boss groupe Martelly en LD. Parce que c'est pas politique, moi-même, ça c'est une politicien, ça c'est une nèg qui rentre dans politique, en dedans pays, qui remplit en fonction. Si vraiment Laurent Lamotte te vle font bagay pour pays, il te vle font bagay pour Haïti, non ça gen pour avec développement, non ça gen pour avec infrastructure, sans que nèg yo pas de voler l'argent, de dilapider l'argent, faire corruption, il t'a fait. Parce que c'est une premier ministre Haïti passé qui éclairé, qui gen relation, c'est une premier ministre Haïti passé qui des relations infrastructurelles qui te ka venir là faire contrat chercher moun faire contrat vinn faire viaduc une faire autant etc. mais nèg yo te préféré gagoter l'argent te préféré voler l'argent pas vinn faire éloge pour Laurent Lamotte pour comprendre pour m'envoyer fleur pour lui me dit exactement ça là son nèg éclairé me dit date 7 point boule période kounyan nous trouver nous dans situation côté que projet yo pas atterri que le projet l'en pas dehors que le projet et ti maman chérie que le projet et communautaire yo projet yo pas atterri moun yo pas satisfait on y a le bon, ça arrive c'est pas tout le monde qui connaît que Laurent Lamotte te boss Matéli. Mais moun ki pou te connaît yo te connaît. Ça pas connaît yo te pas connaît. Kounye le Sofia vient trouver l'on situation côté que ou bon premier ministre parce que nèg ici qui ça remet yo remet pour moun choul yo. Yo remet c'est moun nak pou gon redevance envers yo même. C'est moun nak pou flatter yo, c'est moun nak pou faire sousou yo. L'autre pour moun qui te boss sou kounya le premier ministre, pense qu'on va passer l'ordre. Est-ce qu'on va passer l'autre? On va pas passer l'autre. Est-ce qu'on va demander pour faire ça pour faire ça pour non non. Relation Sofia avec Laurent Lamotte, c'est pas déjà une relation et concordalité et même genre mentalité pas son paquet l'autre premier ministre avant côté Nexayo, il était sous zone Sofia Martelly. Non. Avec Laurent Lamotte, c'était différent. Donc faut qu'il te joue nos façons pour te voyer Laurent Lamotte aller, faut qu'il te fait influence si travail pour te voyer Laurent Lamotte aller et finalement le pression là où il est trop chaud pour Laurent Lamotte, l'ovine joine même nèg qui nan clan Martelly. Prend là où exiger démission Laurent Lamotte pas de l'autre choix sinon que démissionner. Et nous là 8 mois de cela, avant assassinat Jovenel Moïse, Laurent Lamotte lui sorti un livre. Lui sorti un livre Les mains du premier ministre. Donc livre ça m'pogo gagner là, livre ça m'pogo gagner et m'ta bien aimer lire livre là pour moi qui aveugle fait là-dedans parce que tu gagne l'argent que tu là pour développement pays, tu gagne l'argent que tu là pour ba Haïti l'autre figure l'argent dilapidé, l'argent gagoté, des amis qui parlent de corruption et passive. Jodi en là quelques amis pour essayer et bay bagalon l'autre ampleur pour essayer et baisser Charlotte qui a un dossier corruption en Haïti. Et bon, on peut s'accriver avec le dossier Laurent Lamotte. Et c'est une forme de corruption passive. Parce que nous avons songé pour un paquet de contrats passés, nous avons besoin de parlement, etc. pour te battre à Vio, pour te battre à Val dans le projet, etc. Donc, Laurent Lamotte, le premier ministre, le Negovini, et toujours une enveloppe jaune. C'est ça que fait retirer Laurent Lamotte et PM enveloppe. Parce que t'es plein enveloppe jaune, de pour venir dans le bureau, faut sortir avec un petit enveloppe. L'argent liquide. Comprendre l'argent liquide qu'a bail, l'argent liquide n'est pas utilisé à fonctionner pour jouer une bénédiction premier et bénédiction sénateur, bénédiction député. Nous comprenons? C'était comme ça bagayoté. Donc, qui l'argent yoté? C'était l'argent payant quand même. C'était l'argent que t'as sorti dans comme projet, yo. Vous comprenez? Li APC, bon petit parole. C'est corruption passive. Donc, faut que ça t'est fait pour quelques projets t'est fait. Mais, en gros, on a regardé bilan. Moi, je me parler à travers bilan, à travers résultat. Je dis, on a regardé résultat, Laurent Lamotte. Bah, la kabla pas gra même. Kabla pas gra. En question de 25 stades, et nous prenons quelque chose pour nous, et qui excuse, et Laurent Lamotte a baillé sous cause 25 stades, ça, 25 stades ou bien 25 époques sportives, bah, qui différence, puisque quantité d'argent, des fois, c'est pas connotation, yo. Gros bagay pour nous songer qui est extrêmement important. Des fois, c'est pas connotation, yo, qui est important, que on parle de stade, que on parle de stade sportif ou bien époque sportive, ça, c'est pas, ça, c'est que des détails. On nous garde qui quantité d'argent qui débloqué. Qui quantité l'argent qui utilisé que projet on te signé sous Préval, que te signé sous Aristide, que quantité l'argent te bail, mais on quantité l'argent bail pour un parc, pour yon font terrain, pour font cimagri bail moun après ça pour le stade, pour yon faire jolé, pour yon marcher di yon fait stade, et puis film ça nous te fait passation de marché, nous bail marché public là jodi en là. Pour qu'ils ça l'État pas de poursuivre lui. L'autre ont tragédie comme ça. Pour qu'ils soient pas de poursuivre lui. Pour qu'ils soient pas de poursuivre lui parce que les désavantages de l'État haïtien. Vous comprenez? C'est une forme de corruption quand même. Ou pour quantité l'argent par régler et poursuivre lui. Poursuivre lui. Plus valuant que le tourner dans la caisse l'État. Nous pas faire. Nous pas faire. Je dis en là, pas aucune excuse. Pas aucun bloc pour laver nous. Pas aucun bloc pour laver nous. Donc, le choix que Jovenel Moïse a fait de Laurent Lamotte, ça lui a coûté, et ça, non seulement, ça lui a coûté sa vie sur le plan national, parce que l'assassinat de Jovenel Moïse, son, on catcha, comment on dit bagala, on catcha nous mêlé, non pas vrai? Son catcha nous mêlé bagala, et c'est, comme si son tchaka, les gars font tchaka, ils mettent maïs, ils mettent pois, ils mettent oreilles cochons, oreilles bœuf. Moun ki wèl fait chaka yo a expliquer parce que moun pa connaît. Donc son bagay kon sali, c'est ça l'idée. Opposition, pouvoir, alliés, amis, petits amis, sécurité, pas sécurité, policiers, USP, USGPN, net drogue, c'est ça qu'il faut pral wè et Le New York Times sorti article là pour dire Jovenel Moïse t'a travaille sur un dossier narcotrafiquant côté que gagné 4 fonctionnaires avec des conseillers de l'État et des conseillers du pouvoir qui t'a travaille et qui t'a essayé de débusquer des séries de narcotrafiquants nèg qui fait trafic d'armes. Nous pral poser tête un paquet de questions. Est-ce que vraiment t'es gagne existence en bagage comme ça? Parce que le Jovenel Moïse entouré d'un paquet nèg dès le départ, son paquet de mafia, on compte tout bagay ça yo. Comment on peut l'expliquer? Comment on peut l'expliquer tête ou? Comment on peut convaincre tête ou que on travaille comme si, yo kon dou, des fois, on peut essayer de couper mec bon manger, c'est comme ça, et c'est comme ça que l'amante li a considéré, c'est comme ça tout nèg ça yo qui constitue bandi légal yo considéré. Et comme si, yo a bay Jovenel Moïse manger, puis Jovenel Moïse besoin couper men yo. Vous comprenez? Donc, que l'on veuille ou non, n'importe complot qui te gagne à la base pour assassiner Jovenel Moïse, yo tape toujours là-dedans. Et, nous tombons son dernier élément de formation là, nous trouvons qui très intéressant. Parce que, qui s'arrive? Après l'assassinat Jovenel Moïse, on va joindre plusieurs réactions. 7 juillet, ça, réaction sur tout côté. Tout le monde a parlé, des hommes d'État, des hommes politiques, anciens conseillers, tout le monde, diplomates, tout le monde a bail appréhension, tout le monde a bail comment ils comprennent l'assassinat Jovenel Moïse. Eh bien, quelques heures après, qui s'est arrivé? T'es gagné ancien responsable sécurité président français à Emmanuel Macron. Lui-même, il te bail comment ils comprennent, comment ils voient l'assassinat Jovenel Moïse. Nous connaissons qui ça le dit? Bon, mettez tweet là, na pour elle. L'idou, les cartels de la drogue sud-américains montrent à nouveau leur puissance en dépêchant des sicarios depuis l'étranger pour assassiner dans son pays un président en exercice. Et nous, tout ça, nous disons ancien responsable de sécurité, président français, Macron, oui. Macron, le style président, il fait carré président français là. Qui s'acrivait? Li fin fait tweet là quelques heures après, li dit le tweet là. Mais nous connaissons. Depuis tweet fait, screenshot tu as prêté. Même j'en noté ouais. Même j'en noté ouais là, ministre affaires étrangères là. Et au fin fait tweet et puis yo dou et gouvernement haïtien le rapatrier étudiant haïtien qui est en Ukraine yo voye Yougoslavie alors que depuis en 91 pays ça n'a pas existé. OK? Donc, n'a pas cherché Yougoslavie, n'a pas cherché étudiant yo, n'a pas cherché yo, nous pas jamais côté étudiant yo. Donc, imaginons si pas bon pays, si pays n'a pas existé, puis nous font pareille déclaration. Li pas l'autre bagaille que menti, nous te met après ça dit, il était Slovaquie, il était Slovénie, il était Lituanie, il était en Pologne, tout ça yo, c'est bobine filioé, parce que dès le départ, nous bâti idée en son mensonge, là toujours été menti. Donc, c'est pour vous dire que nous pas gain pour nous prendre au sérieux que le Ariel Henry, que le gouvernement Ariel Henry, que le nexa yo k'ap pommené dans diplomatie, en fait, tintin monter descendre, yo pas régler on merde pour Haïti. Yo pas régler rien pour Haïti. Parce que Ariel Henry Jodian qui là, il c'est héritage Clan Martelly, il c'est héritage assassinat Jovenel Moïse, il c'est fui assassinat Jovenel Moïse. Comment on peut le faire applaudir, comment on peut le faire battre bravo pour un nègre, on peut le faire battre bravo pour un individu, un citoyen, bon, un citoyen quand même, il est haïtien comme moi, comme nous autres. Et Jodian là qui participait, qui gagne non comme présumé. Bah, qu'on est si c'est suspect et bon, présumé innocent. Parce que jusqu'à preuve du contraire, et il est présumé innocent. Donc, nous allons comprendre et en rappel, tout faut me dit nous ça avant m'aller. C'est pas premier évêque qui crase non là, c'est pas premier évêque crase dans le gouvernement ça. C'est pas première fois n'attendait mauvaise déclaration ça. C'est pas la première fois le gouvernement ça n'a pas fiché et comportement qui très suspect. Révocation commissaire gouvernement, révocation ministre de la justice, révocation ministre des affaires étrangères. Vous comprenez? Et ils ont montré que dans le dossier Jovenel Moïse, pas grand rien qu'à régler et ils n'ont pas de bonne volonté pour régler rien. Ils n'ont pas de bonne volonté pour régler rien. Et Jodian là, nous sommes 3 mars, et il doit rappeler un seul bagage. Il doit rappeler 8 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, mais mes instructions dossier n'ont pas fait. même instruction dossier pas qu'à fait. Li doit rappeler 8 mois après assassinat Jovenel Moïse, gouvernement qui en place n'est pas en mesure pour l'y enquêter. Gouvernement qui en place n'est pas en mesure pour chercher la vérité pour le faire lumière. Alors que chef gouvernement pas besoin de dire nous bagay là nous connaissons déjà. Nous connaissons déjà. Et crime ça yo, modèle crime ça yo. M'a rappelé en 1955 ça fait déjà côté que un président qui assassiné et moun qui participait dans assassinat là, moun yo accusé dans assassinat là, c'est lui même qui vient remplacer l'après. C'est lui même qui vient remplacer l'après. Ça fait au Panama déjà. Ça fait au Panama avec président Raymond côté que moun qui vient remplacer comme président, successeur, il participe dans tout il. Donc l'option de premier ministre est claire, il est évident que jodi en là, Ariel Henry t'a répondu quelques petites questions, mais bien évidemment, il n'est pas disposé, il n'est pas disponible à le faire. N'attendez là, nous va attendre et premier ministre ancien premier ministre disons Laurent Lamotte qui a ba explication, qui a ba des détails. Et me pense jodi en c'est occasion pour nous comprendre que et oui, cause 25 stades là, il parlait. Pour qui raison le parler, on connaît. On va le connaître tout si Laurent Lamotte a baillé menti ou pas, parce que les faits sont là, nous avons toute vérité, nous avons preuve, tout bagaille là. Nous quittons nous à Laurent Lamotte et rendez-vous en li cassé pour demain. Mais c'est nous-mêmes qui avons fait Bekate, c'est sauf Moringa pour tes solutions pour nous. Gen zouti si yon pomade ka permet ou allonger peni ou bal longue ou vle pou moun ou vle. Gen ban se yon comprimé ka permet ou gen bon jan andiran sexuel. Wow! Pour plus d'informations, relè nan 514 886 97 76. Ou bien visitez site la www.zesofmoringa.com. Depuis les map utilisé pomade gen zouti ak comprimé gen ban, mesdames yo se mariage seulement y a mandem. Toujours un dossier stade zoo. What is stade zoo? What happened with the stadium thing? What's going on? We have to go there. We have to go there. On bon. Continue pas pour tout parce que toute la journée on a fait crime. Il dit on se va payer la première fois, après la deuxième fois, mandel côté comme stade. OK. Tout le monde a posé une question sur stade. Même personnellement, il y a toqué pour stade, mais on est dans stade. Même qu'on est dans stade PM. OK? Seul pour que ça va voir c'est pour tirer du gars ou nos programmes et puis dans nos caractères, aussi, that's it. Et puis subitement, parce que ma fête de la PM, mon attaqué pour stade, et I have no idea. I'm like, pour y avoir dit, moi, je pose des questions ça yo. Pour qui ça, y a attaqué ou a fait le stade, alors que, je vous dis à terme, on dit bagarre qui fait, but what is the going on with this stade thing? Talk to me. Bon, écoute, faut comprendre que le, m'bel bon, on approche pour garder bien comprendre. Premièrement, question de 25 stades que nous avons parlé, ok? Mon yo fait amalgame total. Mais pour qui ça yo fait? L'homme était là, ok? Une bagarre que me fait, c'est que moi j'étais attaqué à plusieurs groupes mafia dans le pays. Mafia contrebande, mafia électricité, mafia kidnapping. Donc pendant un an et demi ça que m'a dit là, ok? Et un an de combat. Ok, c'est un combat contre la mafia. Et mafia, ça y fait alliance. Et je ne pas dire que je ne bon menti. Mais je fait ça. Pour moi-même, je fait parce que pour moi-même, mon pays qui a développé, pays a un kidnapping, pays a pratiquement une culture de contrebande. Et il faut que pays a lui-même capable de gagner l'électricité pour tout le monde, qui a bénéficié. Je ne pas faire pour me attaquer personne. Mais je fait contre un groupe de mafia. Ok, qui était là pour te mettre TBIA dans un état de délabrement grave. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils font un amalgame parce qu'on joue mal dans une conférence de presse, ok, et puis ils font une déclaration, ils disent que nous faisons 25 stades. Donc, ils prennent un mot stade là, et puis ils financent toute une campagne. Pour te faire comprendre que moi, je dis que je fais 25 Maracana, ou bien 25 Stade de France, ou bien 25 et Santiago Bernabéu en Espagne. Totalement faux. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les faits de cette affaire? Parce que faire tout, vous comptez. Ce n'est pas quand vous allez monter, à booster et campagne sur Facebook, ok, pour absal, non monde pour discréditer, non monde qui compte, qui ça compte, quels sont les faits? Premièrement, question bas ça, ok, son contrat qui tient avant que même nous tenons le pouvoir, son contrat qui préval, même préval là. Are you serious? Tout à fait. Le sien le 12 mai 2011, c'est préval qui signe un contrat avec une compagnie qui est le Secosa et qui bat avant ce démarche, avant même que nous même arriver dans le pouvoir. Donc, je ne pas de film, je ne pas de qui est-ce qui débaille. Ok? Moi-même, je suis arrivé dans le gouvernement avec un contrat qui déjà est signé et paiement qui est en fait. Sous 25, ok, infrastructure sportive, parc sportif. Alors, qu'on y a la femme, c'est une question de son jeu de mots. Parce que, qui s'est passé? Ok? C'est stade ou bien parc sportif. Parc sportif ou bien stade. Ok? Moi, je dis stade. Pour ça, parce que stade, c'est un football qui a un tribune autour. Moi, je dis Samuel. Ok? Mais pour nous, je dis non, ça, c'est pas un stade, ça, c'est un parc sportif. Bon, très bien. Un parc sportif. Ok? Donc, moi-même, ça me fait qui vraiment aberrant dans tout ça. C'est que, bah, tout bail là. Donc, ce n'est qui est aussi simple, parce que pas un pied pour le déplacer. Donc, si vous, comment on a allé que elle fait inspection, même n'importe qui est, n'importe qui jeune, n'importe qui journaliste, qu'elle doit aller, ok? Et puis, par exemple, il y a les Sainte-Thérèse, il y a les Thomas C25, il y a les Saint-Louis-du-Nord, il y a les Léogane, ok? Enfin, il y a Viré Gressier, il y a le Milo, tout le monde là. Donc, est-ce que l'arrivée au Bralouet, on Santiago Bernabéu? Non. Et c'est pas ça que je me dis d'ailleurs. Est-ce que au Bralouet, on a un football avec une tribune autour de lui qui a pris entre 1000 à 2000 monde? C'est ça que je veux dire. Donc, en réalité, ça a son campagne, qu'on laboratoire, Chita, qui l'a. C'est seule négativité toujours de deux. Pas seulement derrière encore, non? Si, mais c'est ça, Mabdou, parce que ça qui passe, il faut comprendre bien. Ça qui passe, c'est que yo prend, ok? Yo prend le main dit ça, yo coupe l'image là. Ensuite, yo prend une terrain yo qui était dans une cariste ou bien organisé. Une terrain pour qu'on finisse yo. Alors pour qu'on finisse, après que me dit allez, pas bon me dit là, moi c'est mais l'aime de la d'avance. Et puis on dit mais stable dans la moto. Alors femme montre mauvaise foi mon yo. Tout ça qui finit, pas occupé. Mais mon yo tout quand vous monter, c'est pas émotion, c'est mon tout en pile là de tout. OK, je pas j'aime une question. Ça dit yo juste prend ça et puis yo courir avec. Mais comme tout ça, son campagne bien organisé, bien financé. OK? Et moi même j'ai toujours pensé. Ou vraiment quoi ça PM? Non mais c'est ça seulement le cahier. C'est ça seulement le cahier parce que qui ça l'autre que le cahier. Parce que n'importe qui est censé. En vrai, tu as voulu monter. Tu as dit bon, les amis, est-ce que le championnat national de football là, qui peut la faire? Eh bien, c'est sur tout le terrain, ça, la faire. Le championnat national là, c'est sur tout le terrain, ça, la faire. Quand on arrive, on a mettre au caille, c'est sur le terrain, ça, il a joué. Donc, on y a là, il y a sur YouTube, tout, c'est des informations qui sont vérifiables. Donc, mais ça qui est mal là dans tout le bail, ça, c'est que j'aime dire, le contrat pour ce projet a été signé avant mon gouvernement. C'est pas ça que je peux saisir. Et paiement fait avant le gouvernement. Et m'a dit nous, son contrat signé entre Jean-Max Bellerive, qui était ministre de la planification, et Jean-Émile Laferrière, qui est PDG Secosa. Okay? Donc c'est pas Laurent Lamotte qui vient avec film, qui vient prendre film pour aller prendre propre, c'est cela. OK? Contrat est signé, contrat est payé. Un an et demi avant que Laurent Lamotte même dans le gouvernement. Bon, d'ailleurs, ça a fait, c'est en Afrique maintenant. Donc, qui s'est passé? Mais m'assurer même que Bayo fait. Parce que, bon, mal inauguré ça Jacques Mel là. Moi, personnellement. OK? Ça, Thomas C25, il y a un problème pour te finir. Nous, goumé pour nous finir. Bon, d'ailleurs, chaque samedi, bon, sauve les dit nous-mêmes, ils font virer. Ok, surtout ma 25 ans, si baguette, si baguette, là. Donc, Donc, moi, c'est ça, pour moi, même son vaste travail de dénigrement, ok, que vous faites pour discréditer, et c'est même coalition mafia, ça, même, qui travaille pour que vous démoniser tout ça que l'on a fait. Et vous prenez pour ça, parce que Laurent Lamotte pas achetable. Je pas jamais cap besoin de bout main. Je pas capable comment rentrer sous main. Donc on y a là c'est crasé pour crasé. Même des bails qui là qui physiquement fait et qui ça fait au prince actif puis futile là dans tout qui c'est 25 stades. Donc yo prend ça qui plus facilement vérifiable là et c'est la main jour et c'est la main jour quand même. Il y a des insultes intelligence monde. Parce que ça a fait là, ok, ça tape plus simple, c'est que nous, tout petit monde a vu sous pack sportif, ça, m'a pris le pack sportif qu'il y a pour pas quitter, pour pas entrer dans cet amalgame. C'est vrai, c'est la bagarre quoi dit ça. C'est quoi ça business ici? Une simple conversation, pas journaliste, pas interviewer. Mais on choisit les no filter, l'identité. Et puis c'est comme ça m'a pendant que contre assassiné avant même côté premier ministre. Just by asking. C'est ça m'a dit au commencement. Des fois nous devons parler de bagaille. Et puis nous pas même qu'on fait ou non. Et puis nous juste ça nous croit dans tête noire. Nous juste croit c'est vérité et puis ça se connaît. Et puis l'autre barre là tout. Belle bon bagaille. Kounya là tout le monde dit oh oui et que nous te devons faire un gros stade même genre avec bail ça nous devons faire. OK? Oui. D'accord. Nous devons faire plus que nous devons faire 5 même. OK? Que nous devons faire international là, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier le contexte que nous devons faire. Il ne faut pas oublier que dans tout pays, il n'y a pas de bon pack sportif. OK? Qui vaut la peine. Moi-même, je te dis, pour qui ça? OK? Dans ce sens-là, comme contrat ça, OK? Son contrat que nous venons de signer, nous devons nous-mêmes accompagner. Et fait à la vraie parce que vous avez besoin réel. OK? Et même pas blâme qui signe un contrat là, avant même blâme mon qui a fait diffamation parce que kounya là, c'est des écoute, c'est des packs sportifs dépendant de packs là qui coûtait entre 500 000 avec 4 millions de dollars. OK? Entre 500 000 à 4 millions de dollars. Non, je dis que écoute, je dis que ça a coûté 186 millions de dollars, mais tout ça c'est du pipi de chat. Tout ça fait partie d'une campagne de dénigrement, okay? De fake news pour capable discréditer tout ça que nous faisons. Et m'a dit bagaille. Une chose qui est importante pour connaître, c'est que l'objectif là, c'est qui ça? L'objectif là, c'est craser tout ça que nous faisons. Même si que je dis à la petite peuple là, chaque jour, nous regardons. Championnat interscolaire, ok, a joué. Championnat national a fait un pack sportif ça. Mais c'est pas ça, ouais. Je veux même juste ouais que n'a juste crasé Laurent Lamotte parce que j'aime dire pour mafia ça Laurent Lamotte pas achetable. Yo pas de cas jouer une bout moins. Donc comme yo pas jouer une bout moins, comme yo pas contrôler, comme pas marionnette pour yo, mais a crasé moi et a discrédité toute bagaille. Donc même c'est vous Amabdou. En 2 ans et demi, que vous faites le maximum de vous-même. Do you feel proud today? Est-ce que vous êtes toujours dit, en 2 ans et demi, vous faites le maximum que vous avez fait? Ou bien est-ce que vous pensez que vous avez fait plus? Ou bien est-ce que vous avez tell me, what's going on? 2 years and a half, oh. 2 ans et demi, vous faites comme ça. Est-ce que vous pensez que vous avez accompli? Est-ce que vous regrette? Est-ce que, if you had to go back, would you change something? Non, je ne change pas quelque chose. Okay. Mais il faut nous on va regarder bagage d'absolument mais faut qu'on nous bagage que c'est la même pour nous étape travail ça veut dire nous fait partie de nos équipes. OK, nous fait partie de nos équipes et t'es un paquet monde qui tape travail. OK, et tout le monde ça tout. OK, ils essayer de discréditer, ils essayer démoniser tout. OK, l'autre bon monde par exemple comme Stéphanie qui était ministre touriste. OK, la Stéphanie était là. OK, me pense que lui-même il fait un bon travail. Mais, vous pouvez voir que tout politicien, ça veut dire que coalition mafia, ça, ok, ça a fait, ils ont juste attaqué Stéphanie et puis essayé de discréditer Stéphanie par tous les moyens. Ok? Donc, ça veut dire que dès que nous venons nous faire, nous crasons. Dès que nous venons nous pas faire, par exemple, depuis le que nous sommes là, il y a 6 ou 7 premiers ministres qui passent depuis les Maliens. Parce que je n'ai pas appelé Mali en 2014. Mais on va parler de 6 ou 7 personnes. Ça veut dire que par exemple, qui dit, ok, par exemple, dans 25 stades, il y a un pack sportif. Ok? Il y a un 18 ou 19 qui finit. Ok? Bon, on reste pour faire film, pour finir le stade. Mais personne ne va dire que ça va pas rester pour finir. Il n'y a pas de monde qui m'a dit ça. Par exemple, au lieu que vous allez faire amalgame, faire vidéo, pour aller parler de la mode mal. Pour ça, même faire même vidéo, ça peut dire bon, pour ça, parler de film, payer tirer ce club là, et puis pour un film. Pour la population, mon organisé, capable de jouer dans le terrain. Je vais me dire ça. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Mes amis, tendez ça, ou c'est haïtien, ou remè pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Et puis sur mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis il fait 2 heures de chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la validée, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'homme, même voix.